Au Kenya, le gouvernement s'investit dans la lutte contre la tuberculose. Il s'apprête à lancer dès le 1er octobre 2016 un médicament contre cette maladie chez les enfants. L'une des principales causes des décès dans le monde, la tuberculose a coûté la vie à 140 000 enfants et 1,37 million d'adultes en 2014, selon l'Organisation mondiale de la santé. Le nouveau traitement qui sera mis en place permettra de guérir la tuberculose dans un délai de 6 mois. Ce médicament a été approuvé par l'Organisation mondiale de la santé pour une utilisation en fin d'année 2015 et nous avons bon espoir avec ce médicament car nous savons que les défis à relever en termes de soins de santé sont énormes. Nous avons suivi de bout en bout ces tests et nous nous apprêtons à le rendre disponible pour tous les enfants. Et début octobre, chaque enfant souffrant de la tuberculose doit avoir un meilleur traitement. Au Kenya, le test et le traitement de la tuberculose sont gratuits dans les établissements de santé publique. Cependant, elle est souvent diagnostiquée tardivement ou confondue avec d'autres maladies infantiles. Jusque-là, les enfants atteints de cette maladie pulmonaire potentiellement mortelle étaient soignés avec des pilules conçues pour les adultes. Nourrir les enfants est une tâche ardue. L'alimentation des enfants qui sont malades est encore une tâche plus difficile. Et donc, le mélange du médicament avec la nourriture signifie que si la nourriture n'a pas été consommée, le médicament n'a pas été pris et donc nous perdons des enfants car la posologie n'est pas respectée. Il y a aussi des enfants qui développent d'autres formes de tuberculose qui résistent aux médicaments. Selon l'Organisation mondiale de la santé, au moins 1 million d'enfants dans le monde sont atteints de la tuberculose chaque année. Plusieurs experts de la santé misent sur l'efficacité du nouveau traitement. Le Kenya sera ainsi le premier pays dans le monde à déployer un tel programme qui sera ensuite reproduit dans 18 autres pays.